Je vais essayer de nouveau. Got it. OK. Tu vois, ici, c'est live en YouTube, mais il n'est pas. Qu'est-ce qu'il y arrive, mon Dieu? Moi, j'utilise StreamYard en fait pour faire les partages sur les réseaux. C'est gratuit. Oui, mais vu on YouTube. Peut-être on est, mais il n'est pas. Qu'est-ce qu'il y arrive, mon Dieu? Bon. Vais essayer de. Tu vois, ici c'est live en YouTube, mais il n'est pas. Je vais envoyer le link pour les autres gens qui nous attendent pour qu'ils changent de lien. D'accord. C'est toujours comme ça marche pas. Et moi, j'ai des problèmes de connexion, Zoom, ça saute depuis 2 jours. Donc, ça se trouve, je vais disparaître et réapparaître après. J'ai envoyé le lien pour que les gens entrent dans un autre lien. On va voir si ça marche. Ouais. Je vois que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Tu attends. Tu attends. Je vais essayer de Ah, está ok. Ok. Nous sommes live, Anne. Voilà, Bonjour c'est à bon. tous. C'est bon maintenant. Mais il ne voit pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Pessoas, vocês podem dizer, por favor, se vocês estão nos vendo no chat? E se vem também a Anne, não apenas eu? Je demande s'il nous voit. Ah, está Oui. ok. Il nous voit. Nous sommes live, Anne. Voilà, Bonjour c'est à bon. tous. C'est bon maintenant. Mais il ne. OK. Bon, voilà. Maintenant, c'est bien. Merci, pardon pour cet attendre. Anne, sois bienvenue. Au Brésilien, au Brésil, dans une live au Brésil. C'est super d'avoir toi ici. Bom dia, Anne. Obrigada por ter esperado. Desculpe a demora. Seja muito bem-vinda aqui nessa live no Brasil com os brasileiros. A tua Anne. Bonjour à tous. Tu veux que je me présente, Mera? Oui, merci. Oui. Donc, je suis Anne-Laure Jaffrelot. Je suis l'auteur de 2 livres qui ont été traduits pour vous au Brésil avec l'aromathérapie des petits et l'aromathérapie pour les soignants qui va bientôt être édité, qui a été traduit par Mera. Et en France, je suis donc naturopathe spécialisée en aromathérapie. Ça fait 20 ans que je suis naturopathe
Et je me suis spécialisée en aromathérapie pour diverses raisons, parce que voilà, les huiles essentielles offrent beaucoup de choses. Et maintenant, j'enseigne en fait l'aromathérapie dans les milieux hospitaliers. Je forme les soignants en fait à monter des protocoles pour leurs patients, pour utiliser les huiles essentielles dans les bonnes pratiques auprès des patients. Et je forme aussi les autres professionnels de santé, les kinésithérapeutes, les sophrologues, les psychologues et les praticiens en médecine naturelle, les réflexologues, à l'aromathérapie scientifique et aussi l'aromathérapie plus émotionnelle, énergétique qu'on utilise en olfacto. Ok, d'accord. Bon, je traduis. Bom dia a todos. Maíra, você quer que eu me apresente? Bom, eu me chamo Anne Loja Frelô. Eu sou autora de dois livros que vocês têm aí no Brasil. O primeiro livro que se chama Aromaterapia para os Pequenos e o outro livro que se chama Aromaterapia para os Cuidadores, que eu penso que será lançado em breve, a Maíra que traduziu esse livro. Bom, eu sou naturopata, eu também ensino aromaterapia, principalmente para o meio hospitalar. Eu acabo preparando profissionais de saúde para formar protocolos nas boas práticas da aromaterapia, principalmente para o meio hospitalar. Eu também formo outros profissionais de saúde em aromaterapia, como, por exemplo, fisioterapeutas, sofrólogos. Eu também formo profissionais em terapias naturais, sempre com aromaterapia. Laisse-moi voir si ils ont entendu. Pessoas, vocês conseguiram escutar bem o que nós falamos? Me deem um retorno aí no chat, por favor. On a un petit décalage entre live et ce qu'ils entendent. Uhum. Ninguém fala nada. Ok, c'est bon. Et Anne, est-ce que avant que tu parles sur la réglementation des huiles essentielles, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la sophrologie? Parce qu'on n'a pas ce type de métier au Brésil. Laisse-moi traduire. Anne, antes que a gente possa falar sobre a regulamentação dos óleos essenciais na França, será que você poderia nos explicar o que é a sophrologie? Porque nós não conhecemos isso tão bem aqui no Brasil. À toi, Anne. La sophrologie, c'est une... Alors, je ne suis pas sophrologue, donc peut-être je vais me tromper dans la définition, mais pour moi, c'est entre l'hypnose et la relaxation. C'est-à-dire qu'on va vraiment inviter la personne à se relaxer par la respiration, par revenir au corps, par des visualisations. Et ça peut être pour des objectifs donc d'arrêter de fumer, de mincir ou des thématiques plus psychologiques, plus émotionnelles. Et l'aromathérapie en olfaction va vraiment aider à ouvrir des portes dans ce chemin, dans ce champ-là, en fait. C'est intéressant. Ok. Bom, eu não sou sofróloga. Para mim, na verdade, é muito mais hipnose e relaxamento. Tem a ver com nós proporcionarmos através de técnicas de respiração e de técnicas de visualização, os meios para que a pessoa alcance seus objetivos, como, por exemplo, parar de fumar, emagrecer. Então, é uma abordagem muito mais psicológica e emocional. E nessa abordagem, a olfação, ela tem o seu papel importante. D'accord, c'est bon. Bon, on va commencer notre sujet de ce live, que c'est la réglementation des huiles essentielles en France. Bom, nós vamos começar o tema, então, dessa nossa live, que é a regulamentação dos óleos essenciais na França. Anne, aussi au Brésil, on a une situation que c'est comme ça. Les huiles essentielles sont vendues soit comme arôme alimentaire, flavor, né? Ouais. Ou soit comme cosmétique. On n'a pas une réglementation pour la consommation thérapeutique des huiles essentielles. Ils ne sont pas vendus comme supplément alimentaire, complément alimentaire.
Ce que je voudrais savoir, c'est comment ça marche en France. Laisse-moi traduire, s'il te plaît. Bom, Anne, aqui no Brasil nós temos uma legislação que é a seguinte: ou os óleos essenciais são vendidos como aromas alimentícios, como flavor, ou eles são vendidos como cosméticos. Não temos no Brasil uma legislação para vender os óleos essenciais como suplementos alimentares, complementos alimentares, como ocorre na França. Alors, en France, en effet, c'est un peu similaire au Brésil. On va avoir aussi des huiles qui vont être vendues comme cosmétiques, donc plutôt avec une TVA du coup à 20%. Et du coup, pour les, alors c'est cosmétique et on met aussi dans les diffuseurs. Et après, il y a les huiles aussi sous forme alimentaire. Donc là, c'est TVA à 5,5%. Et du coup, là, l'ingestion est possible. Ce qui se passe, c'est que, donc ça, c'est les choix en fait du revendeur. L'huile, ça sera toujours 100% purée naturelle. C'est la même chose, c'est le même flacon. C'est après dans les papiers comment il va enregistrer et comment il va vendre. Et après, ça va jouer bien sûr sur l'étiquetage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, les huiles essentielles, ça correspond à un complément alimentaire en France. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre des allégations santé sur les étiquettes ni sur les sites internet. Donc on ne peut pas dire une huile essentielle, c'est de lavande, c'est bon pour le sommeil. Et on ne peut pas dire bien sûr comment on l'utilise. On ne peut pas donner de posologie. Donc ça, c'est très complexe pour le consommateur parce que du coup, il achète un flacon, mais il ne sait pas comment l'utiliser. OK. Oui, Te laisse traduire. Je traduis. Bom, a situação na França é similar ao Brasil. Nós temos óleos essenciais que são registrados como cosméticos. Nesses óleos existe um TVA de 20%. TVA, c'est un type d'impôt? La taxe, oui. É taxa, On OK. redonne à l'État. Ok. É, TVA é um tipo de imposto, de taxa, que é dado ao Estado, né? Ao governo. É, então, o óleo cosmético tem um TVA de 20% e esses óleos são utilizados, por exemplo, em difusores. E nós temos também a regulamentação de óleos essenciais alimentares. Neste, o TVA é de 55% e com eles é possível fazer a ingestão. É importante dizer que tanto um frasco quanto o outro é 100% óleo essencial puro, é o mesmo frasco, é só o papel do registro que muda e também muda a rotulagem. Os óleos essenciais que são vendidos como complementos alimentares não podem ter alegações terapêuticas, alegações de saúde. Não pode haver alegações nem no site, nem na rotulagem. Se você vende um óleo essencial para dormir, você não pode dizer como ele deve ser utilizado. Não é possível dar posologia. Isso é difícil para o consumidor, porque ele compra o óleo essencial e não sabe como utilizar. D'accord. Mais Anne, quand on dit à propos d'ingestion des huiles essentielles, si je vais chercher une huile essentielle pour faire l'ingestion, je ne sais pas la posologie, qui va nous aider dans ce type de choses? Laisse-moi traduire, s'il te Alors, plaît. oui, É, pardon. sobre os óleos essenciais como complementos alimentares, se eu vou comprar um óleo essencial e eu quero fazer ingestão dele e eu não sei como, quem que vai me ajudar? Ok, vas-y. Alors, en France, on peut trouver des huiles essentielles en pharmacie. Et du coup, il y a des conseils faits par les pharmaciens. Donc, les pharmaciens, alors, sont plus ou moins formés, mais voilà, ils sont quand même de plus en plus formés. Ils vont conseiller les huiles essentielles du coup en automédication sur demande de la personne. On a quelques médecins phytoaromathérapeutes qui peuvent prescrire des huiles essentielles par voie orale, prescrire des suppositoires, des ovules, tout ce qui concerne la voie interne en fait. Ça, c'est quand même assez rare. Et puis, moi, par exemple, en tant que naturopathe, donc je ne peux pas conseiller les huiles essentielles par voie orale. Donc, je ne peux pas conseiller de mettre 2 gouttes dans de l'huile végétale et d'absorber. Par contre, je peux conseiller des compléments alimentaires à base d'huile essentielle.
Ok, laisse-moi traduire. Bom, os óleos essenciais são vendidos em farmácia e nas farmácias os próprios farmacêuticos dão a indicação de utilização como se fosse automedicação. Eles não podem. Bom, o consumidor precisa fazer essa indicação com os farmacêuticos. Existem também médicos que são formados como fitoaromaterapeutas e eles podem fazer a indicação por via oral. Seja a ingestão, seja o uso de supositório, seja o uso de óvulos. É raro ter esse tipo de médico. Eu, como naturopata, não posso fazer a prescrição de óleos essenciais por via oral, mas eu posso fazer a prescrição como complemento alimentar. Si j'ai bien compris, Anne, toi, como naturopata, tu peux pas indiquer la consommation orale, mais tu peux indiquer les complémentations alimentaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on est toujours un peu entre deux, si tu veux. Moi, je trouve que c'est bien de conseiller les compléments alimentaires avec des huiles essentielles parce qu'en fait, c'est déjà mélangé et dosé. Et du coup, on limite les mésusages. Parce qu'on sait très bien que quand on verse une goutte, il y a toujours deux gouttes qui tombent et que c'est difficile à doser. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, les gens se servent des livres, parce qu'en fait, on a eu des médecins, on a des pharmaciens qui écrivent des livres et qui mettent des formules et des indications, en fait, pour soigner les maux du quotidien. Et c'est là, donc, il y a beaucoup d'automédication avec les livres. C'est là aussi, il peut y avoir des mésusages par manque de connaissances. Et c'est là où il y a beaucoup d'informations et d'éducation aussi à faire en France. Mais les accidents sont quand même, somme toute, rares. Eu perguntei para a Anne se eu tinha compreendido bem, que ela, como naturopata, não pode fazer indicação de uso oral, mas pode indicar os óleos essenciais como complementos alimentares. E aí a resposta da Anne. Sim, porque os complementos alimentares, os óleos essenciais já vêm diluídos e dosados. Então, isso limita o consumo. Por exemplo, se eu vou comprar um óleo essencial e cai em duas gotas, às vezes é difícil de controlar. Agora, o que ocorre também dentro da França é que existem muitos livros, os profissionais de saúde escrevem livros e as pessoas consultam esses livros para fazer a automedicação nos problemas cotidianos. Claro que isso pode implicar em mau uso, mas é verdade que os acidentes são bastante raros. Anne, laisse-moi demander si tout le monde est bien, comme ça, s'il nous écoute. Pessoas, se vocês estão nos escutando, por favor, coloquem no chat para eu saber se está indo tudo bem, também com a tradução, se está dando para acompanhar, se está tudo ok. Me deem um feedback, por favor. J'ai demandé um feedback. Mais j'attends. Ce décalage qu'on a entre les lives, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Bon, Anne, à propos des huiles essentielles qui sont vendues comme complément alimentaire, tu parles des gélules, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui sont interdites pour la vente? Oui, on a toutes les huiles contenant plus de 50% de cétone monoterpénique, comme le fenchon et le thuyone, qui sont interdites à la vente pour le grand public. Il faut être pharmacien et prouver qu'on l'est si on veut acheter des huiles. Parmi ces huiles, on va retrouver la lavande stoccas, lavande pouliot. Donc ça, c'est plutôt riche en fenchon. On aura la sauge officinale et le thuya qui sont plutôt riches en thuyone. Et après, il y a les artémisias, grande absinthe, petite absinthe, l'armoise commune, l'armoise blanche. L'hysope officinale, ça, c'est interdit. Donc thuya, sauge officinale, safras, sabine, rue et le chénopode vermifuge. Ça, c'est des huiles
qui sont interdites par le code de santé publique et qu'on ne trouve pas en pharmacie ni en boutique bio, on ne peut pas les acheter. Et puis, on a des huiles anisées, en fait, qui sont protégées par les fabricants de boissons alcoolisées à l'anis. Ah, ok. Parce que nous, tu sais, en France, on a le Ricard. On a quoi, pardon ? Le Ricard, c'est une boisson du sud alcoolisée. Ah, ok. À base d'anis. Ça s'appelle Ricard. Et du coup, ouais. Et du coup, on peut pas. Et du coup, il y a la badiane et le fenouil qui sont interdites. L'anis, elle a été libéralisée depuis pas longtemps. Et après, ce que je te disais en off, c'est que moi, il m'est arrivé en baladant chez les petits producteurs sur les marchés de tomber sur une huile essentielle de lavande stoccase, par exemple. Parce qu'en fait, elle pousse à côté des autres lavandes, donc elle est distillée et donc on la trouve. Mais normalement, en tout cas en pharmacie et dans les distributeurs normaux, on n'a pas ça. Ok, d'accord. Je vais traduire. Eu perguntei para a Anne se quando ela falou sobre complemento alimentar, ela dizia sobre os óleos que são vendidos em cápsula. Então, sim. E aí também perguntei se existem óleos essenciais cuja venda é proibida na França. Então, vou traduzir agora a resposta da Anne. Sim, os óleos essenciais que contêm mais de 50% de cetonas, como fenchona, como tuiona, eles são proibidos de serem vendidos para o público geral. Eles são vendidos apenas para farmacêuticos em locais especializados. Se você pega, por exemplo, a lavanda estoica ou se você pega o poejo, que são ricos, por exemplo, nessas cetonas, como a fenchona, você precisa esses óleos não estão autorizados à venda. Se você pega, por exemplo, a sálvia dalmaciana ou se você pega a tuia, que são ricas em tuiona, não é possível também comprar esses óleos essenciais. Além deles, existem também vários tipos de artemísias, como a artemísia absinto, a artemísia grande, que também são proibidas de serem vendidas ao grande público. Mesma coisa acontece com a canela de sassafrás, acontece também com o óleo de junípero sabina e também com o óleo de erva de Santa Maria. Então, esses óleos, eles são proibidos e você não consegue encontrá-los para venda nem em farmácias e também nem em boutiques de produtos naturais. Não pode comprar. E existe uma outra situação também na França que protege os óleos essenciais que são ricos em anetol, porque são óleos utilizados como aromatizantes de bebida. Nós temos aqui na França uma bebida que se chama Ricard. É uma bebida que é feita com óleos anetolados. Então, se você pega, por exemplo, o óleo de anis estrelado, a badiana, ou o óleo de funcho, também existe uma regulamentação sobre eles. O óleo de erva doce, esse óleo já está liberado há muito tempo. Mas o que eu lhe disse em off é que existem pequenos produtores que destilam esses óleos essenciais. Se a gente pega, por exemplo, a lavanda estoica, ela cresce. E esses produtores destilam esse óleo essencial. E a gente pode comprar esses óleos essenciais desses pequenos produtores. Bon, c'est bon. Je pense que j'ai tout traduit. Anne, et à propos de ces petits distillateurs, c'est comme ça, on peut acheter et le gouvernement ne peut pas faire rien? Ne fait rien? Il ne peut pas? Je pense que c'est des choses très ponctuelles et qu'il n'y a pas... Ils ne contrôlent pas tous les petits marchés de France, tu vois. Ok. Après, vas-y. Ok. Eu perguntei se, com esses pequenos produtores, se é fácil, a gente chega, compra o óleo essencial e o governo não pode fazer nada. E Anne respondeu, sim, eu penso que é uma coisa muito pontual, pequena. Ok, vas-y, Anne. Qu'est-ce que tu veux... T'as d'autres questions? Ah non, je pensais que tu continuerais ton ok, mais t'importe, laisse tomber. Il y a une question ici sur le chat, Mayra. Il y a une chose que les personnes disent au Brésil, c'est que la pratique d'ingestion en France est
beaucoup utilisé. Et Anne nous dit que ça marche contrairement, que ce n'est pas beaucoup utilisé. Bon, c'est quoi la vérité, Anne? C'est pas utilisé tant que ça en ingestion, les huiles essentielles, parce que déjà, c'est quand même pas très bon, c'est fort. Donc, tout le monde n'est pas franchement attiré. Il y a quand même une notion que ça peut être dangereux. Il y a quand même de l'information. Donc, les gens sont quand même avertis de ne pas faire n'importe quoi et ils vont suivre vraiment des recettes de livres. Je dirais qu'il y a quand même un peu une évolution dans les pratiques. Et puis, on utilise d'abord les huiles en diffusion, puis après en application cutanée avec les huiles végétales, et puis après l'ingestion. L'ingestion, elle est quand même assez ponctuelle, il faut vraiment être malade pour l'utiliser. Tout le monde n'est pas attiré par la voie orale, en fait. C'est plutôt, on est tous attirés par les odeurs agréables, par d'abord comme ça, par le parfum et éventuellement pour se soigner un peu, mais pas forcément pour ingérer. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette idée, peut-être c'est vrai ailleurs dans le monde, mais on a cette idée que un médicament, ça se prend par voie orale et ça sera plus efficace par voie orale. Ça, c'est un peu quand même dans l'esprit. Si on veut se soigner avec les huiles essentielles, que ça sera presque plus efficace en voie interne. Oui, je pense que c'est le même au Brésil. Bom, eu fiz a pergunta da Malu se difundem no Brasil que a prática da ingestão na França é utilizada largamente e o que essa entrevista está nos dizendo é o oposto. Qual é a verdade, Anne? Bom, vou fazer a tradução dela. É claro que se usa óleo essencial por ingestão, mas existe uma informação no mercado dos perigos, das questões que envolvem a ingestão de óleos essenciais. É muito mais comum a difusão atmosférica, a aplicação cutânea e é pontual o uso dos óleos essenciais por ingestão. Se faz a ingestão quando a pessoa estiver doente. É claro que as pessoas são mais atraídas para os cheiros agradáveis dos óleos essenciais e menos pela ingestão. Agora, existe essa ideia de que quando você precisa tomar um medicamento, a ingestão é mais eficaz. Então, o uso oral, as pessoas entendem que é mais eficaz quando você está buscando realmente um medicamento. Ok, isso é bom. Ana, e a propos de l'essentiel d'estragon? Qu'est-ce que ça arrive en France? En fait, en France, il n'arrive rien avec l'estragon parce que on la retrouve, elle est vendue comme le basilic tropical. Par contre, ce qui se passe, c'est que donc au niveau de la réglementation européenne, ils passent en revue souvent des plantes médicinales et l'innocuité, et ils vont se baser sur des recherches scientifiques, mais ils se basent sur les recherches sur des molécules de synthèse, pas sur les huiles essentielles. Donc, ils ont pris en Europe, en Commission européenne, ils se sont basés sur l'étude sur le Methylene Chavicol et sur la toxicité sur les rats. On sait qu'on n'est pas des rats. Souvent, c'est des injections. On ne fait pas des injections cutanées d'huile essentielle. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas avec cette étude par rapport à l'huile essentielle d'estragon. Il n'empêche qu'au niveau de la Commission européenne, elle est interdite en ingestion en tant que complément alimentaire. Et on a un site qui s'appelle SynaDiète en France, qui est le syndicat des compléments alimentaires, qui reprend une liste d'huiles essentielles autorisées et non autorisées si on veut commercialiser les huiles essentielles sous forme de compléments alimentaires. Donc après, nous, en tant que consommateurs, on la retrouve toujours en boutique. Mais après, moi, si en tant que vendeur de compléments alimentaires, je veux mettre des huiles essentielles d'estragon pour un problème d'allergie, eh ben, je ne peux pas. Laisse-moi traduire. Eu perguntei para a Anne como que é a questão do óleo essencial de estragão na França. O que que se passa? Vou fazer a tradução da resposta. Não se passa nada sobre o óleo de estragão na França. Ele é vendido normalmente assim como óleo de manjericão exótico. Mas o que ocorre é que a União Europeia revisa regularmente as plantas medicinais e a sua toxicidade através de pesquisas.
Existe um problema. Essas pesquisas normalmente se referem às moléculas de síntese, moléculas sintéticas, e não às moléculas naturais. E a revisão também se debruça sobre pesquisas que são feitas em ratos, com tipos de uso que não são feitos com óleos essenciais, como, por exemplo, injeção, né? Injeção nos ratos. A Comissão Europeia, ela vai regulamentar principalmente a ingestão de complementos alimentares. Existe um órgão, Synadiet, que tem uma lista autorizada de óleos essenciais que podem ser colocados como complementos alimentares. Veja, se um consumidor quiser, ele pode comprar o óleo de estragão, ele pode comprar este óleo essencial para ingerir, mas um produtor de complementos alimentares não poderá utilizar, não poderá fabricar um complemento alimentar com estragão ou com manjericão para alergia, por exemplo. Ok, super, je savais pas. Donc, il y a une espèce de dichotomie, parce que d'une part, le consommateur, il peut faire presque tout, mais les entreprises qui travaillent avec les compléments alimentaires, elles peuvent pas. Et les praticiens aussi, comme moi, on ne peut pas Ah faire bon? n'importe quoi. Mais par contre, en tant que consommateur, on achète un livre qui parle d'ingestion d'huile essentielle. On peut avaler les huiles essentielles comme on veut, presque à la maison. Moi, en tant que naturopathe, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et les vendeurs, eh ben, de compléments, ils sont obligés aussi de suivre la législation européenne. Donc ça, oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal en fait. Ok, laisse-moi traduire. Eu falei para a Anne que parece uma dicotomia, porque os consumidores podem fazer, a princípio, qualquer coisa. Mas as empresas de complemento alimentar não podem, elas têm regras. E vou traduzir a resposta dela. Sim, parece ser mais ou menos dessa maneira. Os consumidores podem comprar os óleos essenciais, mas, por outro lado, os terapeutas e as empresas não podem. Então, de fato, parece alguma coisa um pouco paradoxal. Oui, d'accord. Eu vou perguntar agora para a Anne sobre aquela questão do abaixo-assinado que existe sobre o óleo de lavanda na França. Anne, ce que je vais demander, c'est à propos d'un mouvement à propos de la vente de lavande officinale. Aussi au Brésil, on est au courant d'un mouvement qui veut interdire la vente de lavande en France. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous aider avec des informations? C'est vrai, ça? Alors, ouais, là, c'est aussi c'est la Commission européenne. Hein, Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 3 ans, il y a un règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. Ça s'appelle REACH. C'est un règlement européen qui est rentré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Donc en fait, ils veulent recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Donc ça, c'est le contexte européen. Et ce qui se passe, c'est qu'ils assimilent les huiles essentielles à des produits chimiques. Donc il va falloir pour les producteurs prouver l'innocuité au niveau allergisant, au niveau cancérigène, des molécules contenues dans l'huile essentielle. Quand on sait qu'une huile essentielle contient 200 molécules, ça paraît infaisable. Et donc, c'est soit des démarches très coûteuses pour employer des gens, pour créer, pour faire la démarche administrative, ça va être devoir ajouter des pictogrammes aussi sur les étiquettes. Et du coup, ça pose problème sur la filière des petits producteurs qui produisent moins de 10 tonnes par an et qui vont être impactés. Après, personnellement, je ne pense pas que ça va aller jusqu'à l'interdiction des huiles essentielles. Oh Ils mon vont Dieu. exiger, ils augmentent les exigences en termes administratifs, mais je ne pense pas qu'ils vont supprimer la production d'huile essentielle de lavande. Qu'ils vont supprimer, tu penses ça? Qu'ils vont supprimer? Non, je ne pense pas. Ah non, Non. pense pas, ok, oui. En fait, ce qui est compliqué là, c'est qu'ils veulent créer une méthodologie d'évaluation des risques
mais qui est pas adaptée aux substances complexes que sont les huiles essentielles. Ouais, je compterai. Après, au niveau du temps, là, c'est une proposition. Il n'y a pas de proposition, en fait. Là, c'est un projet, en fait. La proposition législative, elle ne sera pas avant fin 2022. Ensuite, il y a une proposition de loi qui va être discutée autour des 27 États membres. Donc, s'il y a quelque chose qui passe, ça ne sera pas avant 2025. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est que la Commission européenne, elle n'a pas prévu d'interdire l'huile essentielle de lavande, de thym ou de romarin. Je vais traduire. Oui. Eu perguntei para a Anne sobre aquela história que nós ouvimos aqui no Brasil, do abaixo-assinado, para evitar a proibição da venda do óleo essencial de lavanda na França e na União Europeia. Então, ela me respondeu e eu vou dizer para vocês. O que existe é que a Comissão Europeia, há cerca de 3 anos, começou a colocar na ordem do dia uma regulamentação sobre substâncias químicas. Desde 2007 existe esse propósito de trazer regras de segurança para o mercado europeu de todas as substâncias químicas que são utilizadas na indústria. Então, existe um controle, uma verificação bastante grande sobre a toxicidade dessas substâncias químicas. E o que ocorre é que os óleos essenciais estão equiparados a produtos químicos. Portanto, se você tem um óleo essencial, você deveria provar a inocuidade das moléculas que compõem os óleos essenciais sobre vários aspectos, inclusive o aspecto cancerígeno. O que parece ser factível com uma substância única, com os óleos essenciais não é factível, porque os óleos essenciais contêm pelo menos uma centena de substâncias. Além disso, o processo de provar a inocuidade dos óleos essenciais é bastante caro. Eles querem que vários pictogramas, avisos, sejam colocados nos rótulos dos produtos com relação à toxicidade das suas substâncias. E esse tipo de regulamentação vai impactar principalmente os pequenos produtores, que são aqueles que destilam menos de 10 toneladas por ano. É claro que a preocupação que existe é de que os óleos essenciais sejam proibidos, eles vão aumentar toda a regulamentação que existe em torno disso, mas eu, pessoalmente, não acredito que o óleo de lavanda deixará de ser cultivado. É mais possível que se faça uma metodologia adequada para avaliar a toxicidade dos óleos essenciais. Hoje, o que existe, na verdade, ainda é uma proposição. Em 2022, isso vai começar a ser discutido em nível de lei, mas se alguma coisa de fato acontecer, será para depois de 2025. Mas a Comissão Europeia diz que não tem a intenção de proibir a venda dos óleos essenciais. D'accord, j'ai traduit. Laisse-moi demander si les gens au chat ont des questions. Ok? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando, que a tradução esteja a contento e me diga se vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para a Anne, que a gente já vai se encaminhando para o encerramento da nossa live. Então, veja, nós falamos sobre o óleo de lavanda, sobre os óleos que são proibidos porque contêm cetonas, falamos sobre o óleo de estragão, falamos também sobre o óleo de manjericão exótico, sobre a regulamentação. Me diga se vocês têm alguma pergunta, senão eu toco aqui o barco. O Nathan que ele diz. Tout le monde dit qui aime beaucoup faire ta connaissance, que tu nous donnes beaucoup des informations qui sont importantes, il remercie. il remercie à toi, c'est ça. Anne, merci d'être là. Ok, a Anne também agradece por estar aqui. Ok. Anne, par rapport aux livres que tu disais, dans ce live, les livres, tu penses personnellement qu'ils font un bon travail pour éduquer, pour donner d'éducation à la population, au grand public, ou tu penses que c'est plutôt une chose qui ça marche pas bien?
Parce que tu vois, moi j'ai traduit les livres de Daniel Festi et le dosage sont assez, assez trop. Et aussi, ici au Brésil, quand les livres de Daniel Festi ont été publiés, les personnes étaient Okay. c'était étonné, ouais, c'était étonnant pour les gens. Parce que, mon Dieu, combien de gouttes, c'est vraiment comme ça. Donc, ce que je te demande, si personnellement, qu'est-ce que tu penses à propos de cette littérature? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, oui, OK. les livres sont importants parce qu'en fait, on commence par ça. Quand on cherche des informations sur les villes, on va sur Internet, des fois, c'est pas très fiable. Et donc, on va aller vers les livres et on a tous commencé par des livres. Après, ce qui est, en effet, en France, on a une tradition d'aromathérapie médicale. C'est-à-dire que vraiment, c'est des phyto-aromathérapeutes, c'est des chimistes, c'est des pharmaciens, c'est des chirurgiens qui ont cherché sur les huiles essentielles, qui ont utilisé les huiles vraiment en remplacement thérapeutique. Ce n'était pas la médecine complémentaire, c'était vraiment pour remplacer les médicaments face notamment à des infections très importantes. Ou quand il y avait des résistances aux antibiotiques, ou quand les médicaments ne marchaient pas sur une bactérie. Et donc de là est partie donc, toute cette ingestion par voie orale, mais aussi des dosages importants, parce que si on n'a pas la dose aromatique suffisante face à une bactérie ou un virus, ça ne marche pas. Après, ce qui se passe, c'est que de cette aromathérapie-là, a découlé l'aromathérapie familiale française, où on va conseiller de prendre 3 gouttes d'eucalyptus radié quand on est malade, 3 fois par jour. Et ça, c'est tout à fait presque normal pour le français moyen qui utilise les huiles essentielles. Mais le problème des livres, c'est que les gens n'ont pas forcément la connaissance pour faire la part des choses et avoir suffisamment d'œil critique sur les dosages. À l'inverse, je trouve quand même que maintenant, les livres conseillent de moins en moins la voie orale et l'aromathérapie française est quand même de plus en plus tempérée. Donc, moi, je trouve que les livres, c'est toujours bien. Mais c'est vrai que, en fait, quand on avance dans l'aromathérapie, surtout quand on veut se former, quand on veut être praticien, il y a beaucoup d'interrogations sur quel est le dosage juste, parce qu'on peut lire des choses très dosées comme des choses très peu dosées, et on ne sait plus où est la vérité là-dedans et la voie du milieu. Et c'est là où, encore une fois, en fait, sans formation, on s'en sort pas. Ok, super. Laisse-moi traduire. Eu perguntei Oui. para a Anne se os livros são uma coisa boa, se de fato eles contribuem para a educação do grande público, porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando os livros da Daniela Fechi foram publicados, as pessoas se espantaram, porque as doses da Daniela Fechi são muito altas, são muitas gotas. Então, o que que ela pensa sobre isso? Vou traduzir a resposta. Ah, é verdade que os livros são importantes. Os livros são a primeira porta de entrada para as pessoas. Quando as pessoas começam a utilizar óleo essencial, elas vão na internet, mas a internet não é confiável. Então, os livros, eles fazem o seu papel. É verdade também que na França nós temos uma tradição médica dos óleos essenciais bastante longa. São químicos, são farmacêuticos, são outros profissionais que veem a utilização dos óleos essenciais não como uma medicina complementar, mas eles estão usando os óleos essenciais de fato no lugar de medicamentos. Por exemplo, no caso de infecções importantes com as bactérias, quando você verifica que o antibiótico causa resistência bacteriana, os óleos essenciais podem agir. E nesse caso, as dosagens elas são grandes, porque precisa dar certo em relação a essas infecções, por exemplo. Outra tradição que também existe aqui na França é dar uma terapia familiar. Se você pega, por exemplo, o francês médio, usar 3 gotas de um óleo como Ravinsara, numa situação de gripe é alguma coisa normal. Agora, o que ocorre com os livros é que as pessoas não conhecem e não são capazes de fazer as críticas com relação a essas dosagens que são preconizadas. Agora, o fato é que cada vez menos os livros estão aconselhando o uso oral dos óleos essenciais, e essa questão na França está sendo pouco a pouco amenizada. Nem sempre
É bom fazer essa utilização. Agora, quando as pessoas vão se formar como aromaterapeutas, existem algumas dúvidas. Qual é a dosagem certa? Né? De verdade, não se sabe exatamente qual é a dosagem certa, qual é a forma de utilização. Mas sim, os livros são uma coisa boa. Se tu é a responsa, Ana. Maintenant, il y a beaucoup de questions sur le chat. Laisse-moi lire ici. Ok. Romulo demande, quand tu as parlé à propos de compléments alimentaires, les huiles essentielles sont déjà dosées. Et ça veut dire qu'ils sont dilués afin de faciliter la sécurité d'usage. C'est comme ça? C'est combien le pourcentage et dans quel véhicule, dans quelle huile, cette huile gras? Alors, on peut trouver ce qu'on appelle les aromas, les oléocaps. Donc, c'est des capsules à base d'huile végétale. Et après, le dosage, bah, ça va dépendre. Si c'est des phénols, ça sera moins dosé. Si... Là, c'est en milligrammes, c'est des préparations qui se font en laboratoire. Donc, ça, c'est très pratique, les oléocaps, parce que pour le coup, on n'a pas le goût en bouche, on ne brûle pas la trachée. C'est sous blister, donc c'est voilà, c'est pas des huiles liquides qu'on va manipuler. Et après, tu as aussi des formes où c'est dilué dans de la glycérine végétale, donc il y a à peu près 20% d'huile, 10 à 20% d'huile essentielle dans de la glycérine végétale, et du coup, on peut mettre des gouttes de ce mélange dans de l'eau. Ça, c'est hyper pratique, du coup, parce qu'on met juste les gouttes dans l'eau et on boit son verre. Ça, on n'a pas au Brésil, ce type de dilution, mais c'est super pratique, hein? Je suis d'accord. Laisse-moi traduire. Eu fiz a pergunta do Rômulo, como que os óleos vêm dosados enquanto complementos alimentares, e vou traduzir a resposta da Anne. Existe na França as oleocaps, que são óleos essenciais diluídos em óleo graxo. Normalmente existe uma a diluição, na verdade depende, mas existe uma a dosagem, na verdade depende, mas existe uma dosagem que os laboratórios fazem, como por exemplo 100 miligramas de óleo essencial. É bom porque você vai ingerir o óleo essencial, não vai queimar a boca, não vai queimar a traqueia, então é legal. Uma outra forma que existe também para complementos alimentares é diluir os óleos essenciais em glicerina vegetal, normalmente a 20%. E é prático porque você pega esse frasco, você pinga as gotas na água e você vai ingerir como se fosse uma bebida. Oui, d'accord. On a une question à propos de la lavande dentata. Je ne sais pas si tu es au courant, parce que ici au Brésil, on cultive la lavandula dentata. Elle est riche en fonchona. Ah, d'accord. On n'a pas parlé à propos de ça, parce que je pense qu'il n'y a pas de lavandula dentata en France. Non, on n'a pas. Não é pá, ok. Sandro, nós não falamos sobre a lavanda dentata, porque a lavanda dentata não tem lá na França. Eles não cultivam essa lavanda lá, ok? Par contre, vous avez en France la lavandula estoeca. La lavande stoccase, il y a 70% de fanchonne, donc elle est É, interdite. fanchon. Ok. D'accord, c'est ça. Bon, je pense que qu'on s'approche de la fin. Ça a été super d'avoir toi ici, Anne. Tu es vraiment sympa, vraiment généreuse pour nous donner des informations à propos de ton travail, à propos du marché en France. Si tu veux donner tes liens sur les réseaux sociaux, comment on peut faire tes cours, même, bon, il faut parler français quand même, mais. Oui, alors, mais moi je trouve ça très enrichissant aussi pour moi. Je trouve c'est important de partager les informations et de voir comment tout le monde travaille. C'est l'intérêt de notre monde hyper connecté maintenant. Et pour mes cours, donc il y a un site qui s'appelle aroma-massage.fr. C'est des formations plutôt pour les professionnels. Qui sont longues et en effet tout est en français. Et sur Internet, sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Anne-Laure Jaffrelot, cheminée vers la santé.
et un groupe Facebook qui s'appelle Aroma pour les pros du bien-être. Je n'y arrivais pas à noter, mais je pense que c'est bon pour les personnes chercher Anne-Laure et c'est bon comme oui, ça. Oui, alors Jaffrelot et Tapondon, ils vont trouver, il y a les chaînes YouTube, il y a tout. Oh, ok, ok. Eu falei para a Anne, agradeci a ela por estar aqui. Nós já estamos chegando ao fim da nossa live. Perguntei se ela pode nos dar algum recado e também compartilhar suas redes sociais. Ela disse que é sempre bacana compartilhar informações, saber como as pessoas trabalham. Hoje nós temos esse mundo hiperconectado. E ela tem uma página na internet que se chama aromatiemassage.fr. É claro que os cursos são todos em francês para os profissionais de saúde. Ela também tem uma página no Facebook, um perfil no Instagram. E se você colocar simplesmente Anne Jaffrelot, vai ser fácil de você encontrar. Anne, les personnes demandent si tu connais ou bien si tu utilises la copaïba, le baume de copaïba. En huile essentielle ou en... J'ai beaucoup utilisé en huile végétale. Ah, huile végétale. Aussi au Brésil, on utilise plutôt le baume, c'est l'huile végétale. On perce l'arbre et ça donne comme ça. Mais de plus en plus, on commence à utiliser aussi le distillé. Bah, l'huile essentielle, je sais qu'elle est très anti-inflammatoire et que oui, c'est une très, très belle huile. J'ai un bon ami pharmacien brésilien qui me fournissait en copaïba, mais en baume et en andiroba aussi. Ok. Et j'aime bien prendre le roucoum. Le roucoum, tous les étés, je le prends. Ok. Moi, j'aime bien les plantes brésiliennes. Ok. Eu perguntei, aqui a Malu fez a pergunta se ela conhecia o óleo de copaíba e ela disse que principalmente o óleo vegetal de copaíba ela utiliza. E falei para ela então que aqui no Brasil também a gente utiliza mais o óleo vegetal, mas cada vez mais a gente começa a conhecer o óleo destilado. E ela falou que ela tem um farmacêutico brasileiro que consegue fornecer para ela o bálsamo de copaíba e ela gosta bastante do bálsamo de copaíba. Anne, c'est bon, c'est ça. Merci beaucoup à nouveau. Je remercie aussi les gens qui sont là avec nous. Il y a beaucoup de remerciements pour toi. Ils sont pour merci à vous, merci à toi, Mera. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Okay. Et j'espère que oui, ça vous servira à comprendre un peu mieux les livres français traduits au Brésil. Ouais. Quand on aura ton livre publié au Brésil, on peut faire à nouveau un live sur Instagram ou Facebook, comme tu veux. Et je pense que ton livre va donner un vrai apport. Apport, je pense que c'est apport. Oui. Va soutenir beaucoup notre pratique d'aromathérapie au milieu hospitalier, ce que on n'a pas ici. Ce n'est pas une tradition au Brésil de faire d'aromathérapie dans des hôpitaux. Oui. Et là, pour le coup, pour ce livre-là, il n'y a pas de voie interne. Et c'est des dosages adaptés aux patients médiqués. Donc, c'est très bas. C'est entre 3%, maximum 10%. Et ce qui compte quand on baisse les dosages, c'est d'éviter donc les interactions médicamenteuses, mais aussi, du coup, peut-être des fois de prolonger, d'être très régulier et de faire plus longtemps. Mais en fait, on a des très bons résultats, même bien très dilués. Donc, on peut faire de la bonne aromathérapie efficace sans prendre de risques. Ah, ok, merveilleux. Laisse-moi traduire. Agradeci à Anne, ela também agradeceu e falou que em breve o livro dela, Aromaterapia para Cuidadores, estará publicado. Então, eu disse para ela que sim, que esse livro, Aromaterapia para Cuidadores, será publicado em breve no Brasil e será muito bom, porque é um livro que traz a utilização dos óleos essenciais no meio hospitalar, que é uma coisa que nós não temos muita tradição aqui no Brasil. E aí vou traduzir o que ela falou. Sim, é verdade que esse livro ele foi escrito para auxiliar ao uso dos óleos essenciais no meio hospitalar, com dosagens bem diluídas. São dosagens que vão de 3% a no máximo 10%. Não existe indicação de uso oral nesse livro, porque foi pensado para pacientes que estão internados, a fim de evitar qualquer tipo de interação medicamentosa,
e também para poder utilizar de forma prolongada os tratamentos. Mas mesmo nessa dosagem bem diluída, a aromaterapia é eficaz. Ok, d'accord. C'est ça. Merci tout le monde, à bientôt.